Eh ben, hey tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, pour moi ça va très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une nouvelle vidéo les amis, et aujourd'hui on va se trouver sur Black Ops 3. Donc les amis, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer sur Black Ops 3 les amis. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est la nouvelle. Alors on va le découvrir maintenant parce que même moi je l'ai découvert et on me l'a dit. Bref, donc vous savez qu'en ce moment il y a une nouveauté sur Black Ops 3 qui est tout simplement le mode caillou et bâton et le mode sniper uniquement. Alors, les amis, vous savez, vous vous rappelez que dans caillou et bâton, qui était dans Black Ops 2, qui était dans Black Ops 1 si je m'en souviens bien, fait son retour sur Black Ops 3. Alors, bref, alors, je vais vous expliquer un peu les nouveautés qu'il y a sur Black Ops 4, enfin sur Black Ops 4, sur Black Ops 3. Bref, je parle de Black Ops 4 parce que dans pas longtemps il va y avoir Black Ops 4 et pour moi c'est très intéressant. Bref, donc du coup nous avons Caillou et Bâton, nous avons Sniper uniquement et nous avons Black to Black. Alors qu'est-ce que c'est le Black to Black? Alors en fait, Black to Black, c'est des maps ou laquelle des nouvelles maps qui est dans Black Ops 3, mais tout simplement en fait, il faudrait précommander Black Ops 4 sur le store pour avoir ces cartes. Alors moi, je vais vous expliquer comment avoir justement en fait les cartes gratuites et sans passer par la commande, enfin sans que bien sûr on passe la commande et qu'après on achète le jeu sur le store. Et ben je vais vous expliquer. Bref, alors avant je vais vous montrer les maps, les nouvelles maps. Alors là c'est en mission de cas, enfin c'est en privé. Alors les nouvelles maps sont la jungle, vous savez la jungle de Black Ops 1, et ça c'est une très très bonne chose qui va réapparaître sur Black Ops 4 remasterisé. Nous avons la map Syringe de Black Ops 1 et de Black Ops 2 aussi, qui a été remasterisé mais en plus en Black Ops 1. Nous avons la map Smith. Alors Smith qui était dans Black Ops 1, c'est une map très bien franchement, après rien à dire. Et la map Slums. Alors la map Slums qui était dans Black Ops 2 que j'aimais bien pour le snipes, franchement c'était une bonne map. Bref, alors pour avoir ces maps, simplement, comme j'ai dit, il faut précommander Black Ops 3, enfin Black Ops 4. Et alors, il faudrait précommander en fait les packs. Je pense que si je dis pas de bêtises, il y a plusieurs en fait éditions. Donc ici nous avons le digital, enfin le jeu de base, le digital de luxe et le digital de luxe H&Z édition. Alors, perso, moi, je vais prendre en fait cette édition, mais je vais vous montrer parce que moi, je vais pas acheter bien sûr le jeu sur le PlayStation Store. J'ai juste en fait le précommandé. Normalement, ils disent paiement immédiatement, mais en fait, ça va pas vous retirer du porte-monnaie. Vous allez faire justement confirmer acheter, enfin confirmer et précommander le jeu. Et là, ils vont vous demander. Et là, ça va vous ouvrir en fait un pack. Un pack ou laquelle vous allez télécharger les packs de Black Ops 3 des nouvelles maps, et après vous allez annuler votre commande justement, et c'est là où vous aurez les cartes gratuites sans que bien sûr vous, voilà, vous avez rien à débourser après, vous perdrez pas vos 69,99 €. Bref, alors du coup j'avais dit qu'on allait commencer par Caillou et Bâton et après on verra par la suite pour Sniper. Alors, je vous montrerai en prochainement les maps sur Black Ops 3, les nouvelles. Je vous les montrerai, il n'y a pas de souci, hein, donc ne vous affolez pas. Hein, je vous ferai des gameplays dessus. Hein, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cela. Ouais. Il n'y a personne, quoi, ça se passe comment? Sur Caillou et Bâton, y'a personne. Ça fait peur là. Alors. Y'a personne? Allez. Arrête. Bon.
Oui, ils sont tous en mode snipe, j'espère. Je pense qu'ils sont tous sur le mode snipe uniquement. Ça y est, les mecs se sont dit, allez, hop, il y a du snipe uniquement, allez, on va casser les couilles. Bon, je pense qu'on va taper en fait du snipe, on va voir. Et là, tu vas voir que là. Ah, là, il y a du monde. Cali Baton, je pense que ça plaît pas aux gens. C'est parti, donc sur la map Aquarium, la map où laquelle on a plus joué depuis un certain temps. Ouais, alors ça fait vraiment très bizarre de revenir sur cette map. Alors, quand on dit sniper uniquement, c'est sniper. Voilà, il n'y a pas le choix. Mais en connaissant certaines personnes, ils vont jouer au Dragon. Alors bien sûr, c'est pas les classes prédéfinies, c'est vos classes. Donc moi, normalement, je vais avoir la DBSR ou je sais plus trop quoi. Allez, allez, allez. Allez, mon coucou. Charge-toi. Donc voilà. Alors prochainement, je vous dirai des infos par rapport à un truc sur Black Ops 4 aussi. Je vous en dis pas plus. Je ferai une autre vidéo sur Black Ops 4, mais avec une nouvelle info. Je vous expliquerai un peu plus tard. Allez, c'est parti les amis. Alors interdiction RSA. Alors lui il a pas chaud mais le mec il est en train de camper avec sa... C'est moi ou il lag là? C'est pas moi du tout. Alors aussi on a les records du match à battre. Le nombre de records de... comment dire? Ouh! Black to Blake. What? Bon, il m'a emmerdé. Prends le locus. Je l'élimine. Oh non! Ah mais je lag pas, hein, c'est lui en face qui lag là. T'as l'impression qu'ils ont des radars. Oh, ils m'ont pas respecté là. Oh, j'aurais dû mettre le locus. Alors, je pense que là, prochainement, je vais mettre le locus. Oh, le bâtard, bah oui, bah oui. Allez, on se barre. Je vais mettre le locus. Je me barre. Alors, normalement, j'ai le locus, donc là, je ne sais pas pourquoi il ne m'autorise pas. On va voir ça, on va voir ça. Ah, il est pas mal ce mode sniper uniquement, mais bon, quand tu vois des mecs jouer avec la P06, quoi, c'est une arme à chier, quoi. Voilà, excusez-moi. C'est mon téléphone qui a sonné. Alors. Ah, excusez-moi, 2 petites secondes. D'accord, ok. Allez, c'est parti sur la map infection.
C'est parti au snipe. Ah, la partie elle a déjà commencé avant que moi j'arrive. Je sais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Oh, million. J'ai pas mis de camouflage. Il va arriver à l'autre côté. Oh mais en fait, en vrai. You. Oh le bâtard, et l'autre qui est. Il est en train de camper, hein. C'est moi le serveur, il lag. Enfin, c'est pas le serveur. Oh, il y en a un qui campe là. Je sais qu'il y en a un qui campe là. Oh, regardez! Eh, le mec il a pas chômé quoi, il joue comme ça quoi. Oh là là, t'as lagué. C'est pas bien. Tu as pas le droit de laguer. Mais ça joue P0 aussi, c'est pas sérieux là. Il est tout? Je l'ai vu un tout. Ah d'accord, alors lui, le roi des snipes, le roi des cons. Alors. Oh, d'habitude, j'arrive pas à jouer avec cette arme, mais là. Ah! Qu'est-ce que tu me fais? Ah d'accord, ah bah alors lui c'est le pire campeur que j'ai jamais vu le mec. Ouf, oh ce que je t'ai mis. Oui, il y en a, il y en a, je l'ai vu. Oh, mais regarde-le ce pute. Hein, non mais les gars, si c'est si pour casser les couilles à tout le monde, cassez-vous de là quoi. Le mec il faut la dragonne quoi, si on tue quoi. Ce qu'ils auraient dû faire, c'est genre mettre que des snipers à verrou. Ils auraient dû mettre que des snipers à verrou. Ah, les mecs. Oh! Oh! Oh là, il y avait la côte fille d'affaire! Oh punaise! Eh hey, mon gars, il y avait l'enchaînement de 3 là. Je t'ai vu, mon petit salaud. Hein. J'ai du 8-6. C'est bien de faire du 8-6, mais. Oh putain. Je vous l'ai dit, quand tu joues toujours à BF maintenant et que. Et que t'as plus l'habitude de jouer à Black Ops. Moi je dis. Très attention.
Eh, j'étais dessus. Dis pas l'inverse, Jacqueline. Je vois l'armure cinétique. Ils m'ont tous cassé la tête avec ça. You le jambon là. Oh, le noscope. Ah. J'ai mis un de ces trucs. Ah! Je vais tenter, hein. La lunette thermique, mais il n'y a pas que moi qui joue à la lunette thermique apparemment. Oh mon dieu! Oh, headshot bitch! Regardez ce que je l'ai mis. Regardez. Oh, hé! Oh, hé! Bon enfoiré, vous m'avez pas eu. J'ai vu la tête dépasser. Plah! Headshot. Bon, ben les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai gagné la partie. Suis deuxième. Allez, hop, hop, on danse, on danse, on danse, on danse. Ok, d'accord. Bon, bref, les amis, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Désolé si on n'a pas pu faire, en fait, du caillou et bâton, car il n'y a pas assez de monde, on va dire, sur le jeu. Enfin, sur le jeu, il n'y a pas assez de monde dans caillou et bâton. Il y a plus de monde en sniper. Bref, allez tester en fait vraiment ces modes et n'hésitez pas aussi à faire ma technique que j'ai dit pour avoir les packs de cartes et les nouvelles packs de cartes que vous voulez bien sûr et surtout voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, les amis, moi je vais vous laisser donc et je vous dis à la fin prochaine et je vous souhaite que du bonheur et que les bonnes choses. Et à la prochaine, mettez un pouce bleu également, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao, bye bye tout le monde.